quand on est arrivé tout à l'heure, on a vu les gendarmes ouvrir les sacs et dire que les casseroles étaient interdites dans le virage. Alors vous attendez, il y a des casseroles qui sont passées. Toutes les casseroles n'ont pas été interdites, mais les casseroles sont bel et bien interdites dans le village, comme vous le montre ce court extrait de reportage. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi voilà, faut enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison. Sur... Est-ce que je pourrais lire un document, s'il vous plaît, un arrêt? Non, je vous ai demandé un papier. Un document. On a l'arrêté préfectoral. Je voudrais le lire, s'il vous plaît. Vous allez le lire, vous mettez-vous là. En attendant. Mais à quel moment on n'a pas le droit de prendre une casserole, en fait? Putain, mais c'est dingue, quoi. On la pose là, mais on va aller en chercher. Je ne sais pas mon sopalin, ni ma boîte de conserve. Oh, on va te faire foutre, ils nous prennent tout, n'importe quoi. La boîte de conserve, tu peux la prendre, c'est pas interdit. Non, si, on n'est pas la boîte de conserve. Comment je vous fais? Allez-y, madame, posez la boîte. Ne cherchez pas. Allez. Bonne journée. Ok. Les moutons et on y va. C'est l'aberration complète, tout le fric qui est foutu pour ça. S'il était tranquille, je pense qu'on ne prendrait pas autant de fric. On peut pas poser les gamelles, c'est ça? Enfin, on peut pas prendre les gamelles. Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Alors nous nous sommes procuré l'arrêté préfectoral en question, c'est important. Le mot de casserole n'est pas écrit noir sur blanc, il parle d'un dispositif sonore. Donc on ne peut pas dire que l'arrêté préfectoral interdit les casseroles ici pour la visite du président. En revanche, j'ai entendu de mes oreilles un gendarme appeler son chef en disant « C'est bon, on a bien retiré toutes les casseroles des sacs pour les empêcher donc de les utiliser. » Manifestement, c'est un échec, vous le voyez sur ces images. Les manifestants sont très nombreux, je ne sais pas combien, mais je dirais peut-être un millier. Et ils ont, vous l'entendez, des casseroles.